On va t'en voir Ed! Ouais! Puis, sur The Party! Parce qu'on est des co... Oups! Oups! On est des co-wings! C'est une surprise, on était pas au courant. Ouais, on était plus ou moins au courant. C'est ça, ça le sold out en genre 2 secondes, mais nous on a le temps d'avoir des places sur le parterre parce que... On a attendu 8 heures à l'hôtel. On le mérite. Bref, on est en route, mais là on est pogné dans le trafic. On va sûrement manquer... James Blunt. Ouais, la première partie, au moins un bout, mais genre... James Scott. On s'en collait. Oh non, you didn't. James Cole. Bref, présentement, on s'est chicané sur la setlist. Ben, la chicane, vraiment pas, c'est une discussion d'adulte très calme. Bref, on sait pas trop c'est quoi la setlist parce que. On dirait que ça change de chaud en chaud, fait qu'on est comme peut-être tu vois avec son feels. En espérant qu'il fasse. Mais tu sais, des bonnes. À soir pour le show, il y a juste moi, Anma, Emma. Puis après, on va à l'hôtel se saouler la gueule avec Jess et Anna. Puis demain, on part à Montréal pour le revoir dans la section bleue. Au moins, on est là. Puis on va voir. De toute façon, peu importe ce qu'on est, tout le monde est polite, sauf nous. Fait que genre, on est juste avec en arrière. On va être... Des fois, c'est la même chose. Genre, on est des litres, les personnes à côté de nous étaient polites. Puis genre, qu'est-ce qu'ils font là? Ils deserve pas, genre. C'est la même chose, même histoire à tous les fois, genre. On est parqué. Moi, j'ai qu'il y a environ 97% de chance qu'on retrouve pas le parking. Ce qui nous arrive 100% du temps. Filme la rue. Oh, je vais la filmer. Ah, rue de l'Est, en tout cas. Regarde, il y a ça comme repère. Espiné, François 1er. Espiné, François 1er. Ça rime. Oh, va te rappeler. Mon chum habitait ici avant. Cool. Kevin, shout out à toi. Shout out à Kevin des Backstreet Boys. This song, you are singing a Backstreet Boys song, you are coming down. Oh my God! You know how I feel, don't you know?
On est sorti, on a eu une boule gratuite. Une fois, c'était la bonne non alcoolisée. Mm. On m'en est un popsicle aux bananes, yogourt de Dieu. Maintenant, c'est la Red Bull, ça va de mieux en mieux. Là, quand même. Ça s'améliore, oui. Mm. Fait qu'on a essayé de parler au petit gars qui pleurait, mais finalement. On s'est fait coq-bloc par sa mère. Il parlait juste en anglais, puis que là, j'ai dit. Is he sad because the concert is over? Puis là, elle a dit non. Fait que, je sais pas, il vient peut-être d'apprendre à fond son père est mort ou something. Mais non, elle a dit non, d'une façon, genre, je veux pas en parler plus. Ouais, c'est ça. Sérieux. Fait qu'on a été coupés. Ça a genre fait soudaine envie d'amour. Nous qui croyais, genre, qu'on avait trouvé quelqu'un comme nous, un flop. Un relatable, quelque chose. Un bon putain de flop. Bref, le show était malade. Ah, c'est chaud. Vraiment. On suit. Malade. Il y avait genre du monde à côté de nous qui arrêtait pas de s'asseoir tout le temps. Moi je suis mon rent. Okay. Il s'assivait tout le temps là. Puis genre, il était shook, mais pas shook, mais il était genre, hein? Que genre, on connaît ses paroles. Genre, quand que Don't était quand même au début, qu'on l'a genre tout chanté, puis après Newman aussi. Rappé. Il se retournait genre, hein? Ah, oh, ben oui, excuse-moi, genre, savoir les paroles des tonnes, là. Genre, j'ai pas payé 100 piastres sur. Ma mort sur mon esticu, là. Genre, sorry. Pour avoir mais, des poèmes, il y avait un gars en arrière de nous. Il y avait un gars en arrière de nous qui connaissait beaucoup les paroles. Ouais, et il chantait comme une merde. Ouais, mais pense, je pense qu'il pensait qu'il chantait bien. Mais au moins, tu sais, c'est rare qu'on pogne du monde. Genre, parce que je suis comme c'est nous. Ouais, c'est ça, fait genre, c'est correct. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression, lui, vu que c'était un gars, comme sa voix portait plus, genre. Ouais. Fait que tu sais. Quand il tapait des mains, il tapait des mains à tabarnak. Ouais. Genre, oh! Ouh, les oreilles, ouh. Mais c'est ouais, vrai. C'était lit le show, là, sérieux. Mais c'est tout le temps décevant parce qu'à chaque fois qu'on est sur le parterre, ouais, peu importe où est-ce qu'on est, là, je comprends pas le monde. Qui genre qui essayent même pas genre ils sont assis les bras croisés enjoy yourself ouais je comprends pas que tu payes genre 150 pièces pour être sur le parterre come on genre si t'aimes pas tant ça va en arrière puis laisse là ben laisse pas sur le parterre ou les fans là je sais pas ouais c'est ça ah, je demande pas de connaître chaque lyrics j'ai juste d'apprécier ces shows aussi y en a qu'on dirait qu'ils sont tannés puis sont là par force genre quand même oui genre on mérite ta classe. Il y a plein de monde qui, tu sais, genre, il y a plein de monde qui aurait aimé y aller. Genre, ça a été sold out super vite. Puis, genre, je vois du monde qui sont là, les bras croisés sur le parterre. Surtout Ed. Non, ça a eu, c'est vraiment top. Mais moi, j'étais assis à côté de la rangée, fait que j'avais full de place. Mon Dieu, zoom ça. Wow, non. Mon Dieu, tes bottes hors, t'avais quand même des mots. Fait que c'est ça, il y avait full énergie, pis tout, mais. Ah ouais. Mais toi, t'as dit que tu trouvais que c'était meilleur que 2015, mais moi, on dirait que non. J'aimais ça parce qu'il y a eu un beau mix de tunes, genre de tous ses albums. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi. Ouais. Fait que le blend était bien. Mais tu sais, j'ai l'impression que tu sais, il était encore plus dedans l'autre fois. Tu penses? Ah, je sais pas. Hey, mon Dieu, moi je suis. Moi je trouve que non. Tu sais, Ed, il deliver, là. Ed, il deliver tout le temps. Ben peut-être c'est parce que c'est comme la deuxième fois que je le voyais, fait que je m'attendais à ça, genre. Tu sais, parce que la première fois, ça m'avait vraiment pris par surprise, genre, comme à quel point il était, genre, multifonctionnel. Non, mais c'est vrai. Ouais. Là, il utilisait moins sa loop pedal, là. T'sais, quand, ben, t'sais, ben, il construisait ses tunes, mais ouais. C'est vrai qu'il a moins fait de remix contrairement à l'autre année d'avant. Ben, ouais. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. J'aimais enjoy ses tunes, genre tête. Non, non, c'était bien correct, ouais. Là. Je dis juste que c'était différent, là. Ouais, mais. Mais moi, je pense que j'ai plus apprécié parce qu'on dirait que tout était plus lit tout le temps. Il y a moins mis de tunes slow. C'est vrai. Ouais, fait que je pense que c'est puis, ça que ça change. D'ambiance. La chanson surprise, c'était aujourd'hui, c'était How Would You Feel. Non, c'était One. C'était One? Ah,
c'est vrai. Non. Parce que moi, je suis sûre quand Would You Feel est en playlist, puis là, One d'habitude. C'est vrai que One, il ajoute pas d'habitude. On est confused, hein. Parce que d'abord, Ed, il a dit genre, OK, c'est la première fois que je fais ça, tout le live, blablabla. Fait qu'on était pas non, mais il a dit au Canada. Mais là, il a comme vraiment buildé, genre, le gars qui venait avec lui, là. Puis on s'attendait tellement à quelqu'un de hot, finalement. Ouais, il était genre, ouais, là, une personne vraiment spéciale. Genre, moi, à un moment donné, j'étais genre, ça va-tu être Harry Styles? Pis legit, hein? Cette pensée-là. Imagine. Et genre, j'étais vraiment prête à genre me pitcher en avant pis genre me battre contre les gardes du monde. Moi, on a dit qu'on allait crisser la marde d'Harry Styles. On allait genre mettre le feu au centre du monde. Mais moi, je m'attendais à Woody Allen à cause qu'on en avait parlé avant, là. Ouais. Parce que je pense qu'il est canadien, Woody Allen, ouais. Je suis pas sûre, là, mais... Peut-être demain, en tout cas. Tu sais, demain, c'est encore le même speech avec le gars qui vient jouer au piano, je suis pas qu'il me donne. C'est sûr qu'en allant voir le même show, des fois, il faut s'attendre à ce genre de truc, là, genre, ouais, OK, pas la même chose. Et ça, à un moment donné, il était comme, ouais, à date, j'ai pas trouvé la loudest crowd, blablabla, puis il y a pas dit que c'était nous, finalement. J'étais comme, bon, ben, c'est pas, on a pas gagné. D'habitude, Montréal, c'est l'été en tabarnak, ça crie en colle. C'est vrai. Moi, je l'ai pas entendu. Anne-Marie, elle était shame de vlogger. Non, mais c'était au fini. Ben non. Il a bien pensé. Ben non. Et moi, j'étais genre, là, en train de parler au Kodak. Choc. Elle t'a vu parler au Kodak. Pour revenir à Yumi, I don't need you. Le show, en fait. Bref, Yumi, I don't need you. I lost my shit, là. Genre, sérieux, j'étais plus moi, là. J'étais genre, je sais pas, en voyage astral. J'étais ailleurs. C'était dans le décor des étoiles. Genre, des je sentais plus mon corps. Bref, see you demain, hein. Ça y est, moi, je suis prête. Non, je suis pas prête, mais je suis prête, pareil. Pour la suite des choses, on s'en va à l'hôtel. On a loin un hôtel à Beauport. Non, non, non. Motel. Motel. Deux étoiles. La lettre clé. Ouais. Devinez quoi? Comme toujours, on est perdu. Non, mais genre, on est même pas dans la rue, là. On trouve... C'est pas qu'on retrouve pas le stationnement. On fait le tour du centre vidéo. On est pas capable de sortir, savoir par où qu'on est arrivé. On est dans le stationnement à l'infini. On est parqué à la rue de l'Espinay ici, on est là. Oui, mais regarde, tantôt, la flèche a tourné vers là, fait que là, on s'en va dans la bonne direction, ça veut dire... OK, ah. Faut ça que la flèche, ça va. En tout cas, on vous quitte le date. On a trouvé les tourbus. T'as peu. On voit rien, mais c'est les tourbus. Hey, c'est beau avec le centre vidéo 3 en arrière. Arc! Oh my god. Bye, Ed. Arc, c'est le mot. Arc! Dégueulasse. The feels! Bon, on est arrivé à l'hôtel. Hotel, Harry Hills! Pitbull, pas de cheveux. Ça, c'est Anna. Anna. J'existe. On va faire un tour. Ouais, ouais. On arrive ici. Mais genre, sérieusement, avec le check-in qu'on a eu, je m'attendais quasiment à pire que ça. Oui, oui, tout sérieux. Mais il y avait pas les deux petits lives, c'est juste. Une télé épaisse. Donc ici on a une petite chose. Puis il y a la chambre de bain ici. Donc l'évier est séparé de la chambre. Dès elle est pas là parce que elle avait faim. Très faim. Fait qu'elle est partie au Normandin. Pour mettre en contexte, j'ai décidé de partir à l'aventure tout seul pour aller me chercher du Normandin il y a minuit. Donc j'arrive là, mais je roule la porte. Et là, il y a une madame fucking bizarre, tu sais, là. Fucking bizarre, évidemment. Ouais. Et là, elle parlait aujourd'hui avec, tu sais, le double d'accueil, tu sais, c'est vraiment tout. Puis elle checkait le menu, puis elle posait des questions sur, genre, chaque item, genre. Genre, littéralement, là. Et là, moi, je suis allée, j'attendais en arrière, genre. Je sais pas. En tout cas, fait que là, finalement, elle, comme, après, genre, tu vous jure, peut-être 10 minutes, là, ouais. Qu'elle parlait, puis là, le gars, il me regardait, puis il sentait fucking mal, genre. Je sais comment tu whatever. Là, la tenue un menu. Non, mais je regardais le menu, mais genre, la madame, elle posait plein de questions, puis elle commandait pas. Okay. Fait comme, au moins, 11 piastres pour une pizza, ouais, là, je sais pas. Elle était déjà à la caisse, je sais pas. Ouais. Okay. Là, je suis comme, ok, whatever. Fait que là, finalement, elle me voit, puis genre, tu sais, moi, je commence à être fucking done. Je suis genre, je porte tu. Puis après, genre, pendant longtemps, il était comme ça, c'est genre, je prends. Fait que là, genre, je suis comme, hey yo, moi, je veux ça, genre. Oh non! Non, 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 non.
quasiment. Là, finalement, elle a fini par prendre ça aussi. Je suis comme, ok, whatever. Là, le gars, il trouvait ça crissant large. J'étais fucking crampée parce qu'elle allait pas parler. Parce que là, j'ai ma soeur sur le divan, puis là, j'attends parce qu'il m'a dit que ça allait prendre 15 minutes à faire. Et là, il y a un monsieur qui passait la serpillière de soir, genre. La serpillière. Ouais. La serpillière! Non, pas ça. C'est un barnac, la colise de moupe. C'est quoi, c'est une serpillière? Ben, une moupe. Parce que la crise de serpillière, et là, là, la madame, elle commence à y parler. C'était genre un vieux monsieur, puis c'est comme une vieille madame. Genre, plein comme. Comment que ça a commencé? Genre, il parlait juste un peu de. Je sais pas trop. Puis elle arrive, elle dit, on pourrait aller manger une ailes de poulet jeudi soir. Allez, ben, je suis monsieur. Le monsieur était comme, ouais, ben là, je sais pas si c'était approprié. Nanana, elle est comme, ah, mais là, je flotte pas, là. On fait juste parler, là. Tu sais, là, c'est rendu que les femmes dominent les hommes, là. Nanana, nanana. Là, lui, wow. Comme, là, le monsieur était genre, ah, ok, tu sais. Moi, je suis comme, êtes vous mariée, vous? Il était comme, oh non, je suis pas mariée, là. Mais, tu sais, j'ai mes aventures, plein d'aventures. En tout cas, même les commencent, ils ont commencé à parler cul et gin, genre. Et là, moi, j'étais genre. Et là, j'entendais. Et là, à chaque fois que le gars, le serveur qui me servit, il passait, tu sais, avant, c'était les temps, il me regardait, il était crampé, là, on avait une complicité, genre. Oh, que, c'était fucking drôle. Hey, tu t'es trouvé un chum? Ah, c'est quoi? Et là, je suis genre, ok, crampant, il était crispant, crampant ensemble tout le temps. Et là, finalement, elle est venue me donner mon plat de pâte, puis j'ai crissé mon camp, puis la madame, elle, je sais pas, elle est encore là. Elle parle on est. Elle était là aussi, je sais pas. On est à Beauport, c'est un peu ghetto ici, là. On va s'entendre, là. On est au beau tel Beauport. Is it worth it? Is it worth it? Is it good? Is it good? C'est bon? Show me your reaction. First thought? Wow! Vous êtes genre vraiment squad là. Squad. Puis là, attends là. Tu passes pas grand chose, mais. C'est vrai que ça monte à la tête, hein? Eh boy! Oui, ça monte à la tête. Bon. Ouais, ça va là. C'est worth it, genre ça vaut le début. I'm ready for more, mais. À vous! À vous! À vous! Mais voyons! Mais voyons! You got me! C'est ça, tu ok! Moi, Fiema, on a décidé d'aller au bar Mito que j'ai spoté tantôt! On est ni pieds, c'est par là! Limit on the rain! Salut! On est en route pour le retour! Le retour! Ok, Della va manger la saucisse que j'ai mis dans ma bouche préalablement. Pré-mâchée, comme du fromage cottage. Mais j'ai pris juste une bouchée. Ça joue juste. C'était vraiment écœurant. C'est vraiment piquant ce qu'elle mange. Ah ouais, avale. Avale! Hey Emma, qu'est-ce que tu bois? Je bois de la rive. Non. C'est un motel de ouais. Étoiles en plus qu'on a des. Avec du guano. Emma, qu'est-ce que tu bois? La pinot liquide! Bon matin. Okay. Ah, on voit dans nos visages qu'on est destroy. Fait qu'on est destroy. On est plus la rêve hier. Il est même pas 7h du matin. Check ma fin. J'ai mal dormi. Avec trois dans un genre, gym. Genre, on a dormi. Deux heures max. Le monde dort encore, il est même pas quand 7h. On s'est pas mal couché les dernières. Je comprends pas comment je vais faire, comment on va faire. Faire la journée, aller au show à soir, revenir de manière à soir, dormir, travailler. Beaucoup, travailler. Aller à Dunkirk. Travailler encore. Oh my god. C'est encore nous. Arrête pas de prendre des photos, les des vidéos. Oh, je vais commencer à filmer. Je vais prendre des photos. Fait que, mais, on destroy rien, tu sais. Fait que là, il disait, là, ew, what's going on? Donne un vomi par terre. Wow, vraiment pas, j'ai pris de l'eau, j'ai juste rendu compte que je pouvais vraiment pas avaler ça. Puis genre, j'ai juste craché. Wesh. Bon, probablement. Il y avait juste à pas booké un motel de temps. Faut qu'on les entend. Ça veut dire qu'ils nous entendent. On va parler.
comme d'elle. T'es genre, non. Attends, je viens d'entendre une madame. Oh my god. Ok. Imagine, ils sortent dehors. Puis ils sont genre, t'es ma mère, on a fait la gueule. J'arrête. Le fucking capitalisme, là. Hein? Le capitalisme. C'est ça, là. Quand on a compris. Tu sais, on avait des bobillets, mais qu'il y avait plein de monde. Amen. Genre, allons-en. Le capitalisme. General public, fuck you. Ouais, fuck you. C'est ta merde. I cannot live today. Hey! C'est quoi? Après deux queen. Fait que je sais plus, tu sais. You know? Okay. Il est parti pour une autre séance de fronflage. Le fronf des oreilles. Susurrie à l'oreille. La mélodie du bonheur. La mélodie du sommeil. On est au halo, mon coco. On est au Old Navy, en train de magasiner. Là, on regarde le linge d'enfant, tout ça, etc. Donc, on a trouvé ce chandail. Grateful quoi? Roulement de tambour. Reveal. Grateful Dead. Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de plus normal. On a peur et on part de Québec pour aller à Montréal. Pourquoi d'enfant t'as une heure en retard? Ding. Ouais. L'espace personnel, hein? Nous on connaît pas ça. Mais non. Colline, on partage tout. Hey, throwback. On va même partager notre sueur. La sueur d'entrecuisse. Anne-moi plus des 10 pieds, fait que. Gère. Thanks. Ça pue. Yo, c'est encore nous. On est en route. Encore. Encore nous, okay. Nous, on pense à aller se faire les ongles. C'est moi, Caillou. Caillou, c'est un chioleux. Il n'y a jamais rien qui fait plaisir à ce gars-là. À ce gars-là. Enfin, gâté pourri. Enfin, gâté pourri. On pourrait update. On est pogné dans le trafic. Évidemment. On est sur Dunn. Tout à fait. 8 heures qu'on est pognés en trafic. On a chaud, on a faim! On a faim. Ben moi j'ai faim. Ah, on n'aura pas d'ongles. Ouais, non. On est abandonné le floraison. So sad. Rip en graisse! On vient d'avoir la pire expérience de parking. La pire. De l'histoire des parkings. Yeah, c'est pas pour rien. Jess? Ouais, tu veux le dire? Oui, je veux le dire parce que c'est mon char aussi. J'arrive là. Il vient me voir pis il me dit ça, faut que je sorte du char pis j'aille payer. Ok. Je sors du char pis là il est genre de même pis il veut mes clés. Je suis comme quoi? Faut que je te donne mes clés? Ok. Je donne mes clés, je m'en vais payer, mais là je le vois faire descendre tout le monde du char. Genre, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, qu'est-ce que pendant ce temps-là est en train de payer? Et il arrive, il me dit ben sortez, on est comme quoi? Ben sortez pour que j'aille parquer, on est comme ah, ok. Tu restes dedans? Genre ouais. Pis là, il part, mais genre, en fou avec mon char, genre, il monte. Ouais. Pis il monte. Nous autres, on essaye de le suivre. Il est genre, non, c'est dangereux, nanana. On a dit, attendre qu'il redescende avec les clés, qu'on monte les marches. Si vous êtes parqués là, on est genre, ouais, des fois qu'on monte. Lui, il est en train de parquer d'autres chars, tout en esti débile, crissement trop vite. Où, les chars sont bloqués de partout. On va au Eaton Center, by the way. Ouais. Est... En tout cas, c'était puis là, fucking on monte, bizarre. On monte au char, puis il est genre parqué dans un coin crissement proche du mur, puis
ou ce qui va clairement parquer un char devant, là. Ouais. Ouais, il va parquer un char devant puis à côté puis tout, là. Ouais. Qu'est-ce que quand je me pointe là tantôt, si je donne... Refound. Faut que je redonne mes clés, genre, puis qu'ils redescendent ouais. avec, t'avais amené. Refound. Il roulait vraiment vite avec les gens. Hey, ouais, il roule en fou dans le parking. Juste quand on sort, on est pour sortir, on a tous nos affaires, on marche vers la sortie, il dit « Hey, revenez avant minuit. » OK. Quand il revient, il y a l'audace de dire « T'as oublié ton sel dans le char. » Genre, what? Tu nous as crissé dehors, pis t'as dit « Dansez-vous. » L'hostie de panique. J'ai tellement chaud. On vient d'arriver, on est genre fucking où, y'a pas. Deux rangées pis c'est le mur. C'est nous. Ouais, fait que... Ça là, ici, c'est le mur, là. La scène est là, on voit pas à moitié le... On est arrivé 3 minutes à l'avance. En sueur. Il est tellement chaud. Tabarnak. Jesus Christ! T'es-tu raconté qu'on a perdu d'elle? Ben, je pense qu'elle, elle s'est filmée en attendant. Les filles se font les ondes. Moi, je voulais pas. J'allais aux toilettes en attendant. Maintenant, je suis perdue. Femme elle. J'ai pris la décision de retourner à mes ressources premières. Donc, me voilà dans une petite librairie avec la musique classique. Je me sens en sécurité maintenant. J'attends qu'un adulte vienne me chercher. J'ai décidé de prendre mes responsabilités en moi. Puis de continuer à chercher la place. C'est peine perdue. Je pense que je me sens encore plus enfoncée que je l'étais là. Puis j'avais trouvé une carte. Et là, j'ai commencé à appuyer sur la carte, mais je me suis rendu compte que je savais même pas comment la place de Donc s'appelait, donc... Bref. Là, après toutes ces recherches, guess what, je suis de retour à la librairie. Je sais pas comment je suis arrivée là. Je suis vraiment pas bonne, oh my god. Je tourne en rond. Anna a fini par m'appeler. Elle est en retour de me chercher, faut plus que je bouge. On va attendre son retour. Oh my god! Je veux pas en décorage, ok? Hey, Bryce! Le show est fini! Top! Qu'en pensez-vous? What a man! Hey, tellement! Ouais. Genre, je suis tellement en amour avec ce gars-là, c'est l'enfer! Tout le long du spectacle, je me sentais tellement bien. Là. J'étais juste. On avait vraiment une belle complicité, hein? Oui, je me sentais tout bien. Tout le long du spectacle, là. J'écoutais la musique, puis j'étais juste heureuse, puis j'étais genre, c'est trop le fun, là. Tellement. Ça a juste commencé. Ok, je sais pas si vous avez tout pogné ça, mais genre, la crise de panique au début du show. Ouais, la crise de panique. J'avais aucune idée où le char est parqué. Je savais pas en tout, même pas le nom de la rue, la place, de quoi ça avait de l'air, genre aucun souvenir, zéro.
Genre, c'est moi qui dirige le monde tout le temps. Fait que si moi je sais pas qui va le faire. Ces petits cris, c'est iNotes, là, genre. C'est iNotes qui fait. Pourquoi tu nous fais ça, là? Ces petits cris. Pourquoi ces petits cris? Happier. Oh! C'est moi. Le stream, là. Le stream, c'est vraiment bon, là, genre. Des fourchettes des yeux. Genre, goodbye. Voilà, c'est le. La fin interminable de Bloodstream, là, pis genre, c'est l'infini, pis c'est pis back vocal, mais c'est trop cute aussi. Les fins de tune que genre, il met tellement d'affaires que ça finit par être juste du bruit, pis t'es comme. Oh, genre Bloodstream pis Union Night, donc ouais. Pis c'est photograph et tout, là, c'était fucking bon, là. Genre, ça a été long, photograph. Mais oui, chaque tune qui fait genre un one-man show, genre. Il rajoute tellement. C'est malade. Ben, tellement. Il rajoute tellement sa touche, pis c'est toujours. Wow. C'est toujours une surprise, genre, avec lui. Là. Il va faire des petites dagues, mon consultant. C'est l'amour de ma vie. Wow. Genre, je te dis, j'ai dit, c'est l'amour. So relatable. C'est l'amour de ma vie. Je suis en amour avec ce gars-là, deep down. Genre j'aimerais que ce soit mon mari. C'est important. Genre, non, à vous, c'est... Il a l'air d'être un bon mari. Je veux que ce soit mon mari. Non, mais je niaise pas, Mary. Je suis en amour avec. Je ressens de l'amour pour lui. Genre, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. C'est l'amour de ma vie. Est-ce qu'il sait? C'est important. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il sait? On va l'appeler pour lui dire. On va le texter. Cœur, un petit numéro. On va l'appeler, man. On va demander un petit 4 orange en bas. Oh my god. C'est très satisfaisant, regarde. Donc, les filles, vous avez aimé votre show? Ouais. Oh my god. Moi, ouais, mais comme elle m'a dit. C'est cool. Ouais. J'ai vraiment plus écouté. Ouais. Parce que vu que c'était plus calme, on chantait pis tout, mais ouais, genre. Tu sais, le fait qu'on soit pas si proche non plus, ça joue dans la l'ambiance. Le son, ouais. Le son, l'acoustique, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Comparé de 100 mais je sais pas si c'est parce qu'on est haut. Ouais, parce que on comprenait rien. Mais genre aussi quand il faisait tous les sons en même temps, tu rappelles hier au partage, genre tu sentais dans ton cœur. Ouais. Ouais. Genre t'étais, on dirait que t'étais étourdi, il y avait des sons tout autour de toi. Puis là, genre on dirait que c'était brouille. Hein. La fin de Bloodstream, genre ça paraissait que c'était genre meant to, genre t'as poigné dans le cœur là. Que ça rentre dedans, genre, on est juste comme filet, juste pas, on est juste trop loin. Ouais, ouais. Genre, ouais. On est vraiment loin. La baisse, ça venait pas vers nous, elle allait par là. Elle allait par là. Mais là. On est loin en gris, les amis. Ouais, là, on voit le mur. Genre, on voit ça, c'est en arrière de nous. En avant de nous. Mais c'est vraiment les places les plus loin qu'on est. La place la plus loin, c'est genre là. On est comme dérangé après. Ça fait pas la même distance qu'on était à Toronto. Mais ça fait une expérience différente. Ouais. Tu sais, je t'entends, ça l'a été avec Ed au lieu de genre One Direction, parce que One Direction, c'est la Folie Furieuse. Mais Ed, genre là, tu t'apprécies plus la musique plus que de chez tes shorts, même si j'ai quand même chez mes shorts. Mais on est dans le parking inquiétant. Voyons, tout est très louche. Il y a des corbeaux en plastique d'accrocher au plafond. Le monsieur est petit gros. Je me sens pas bien. Ça pue, j'aime pas ça. En tout cas, on est arrivé. Il y avait un gros hibou en plastique. C'est corbeau, mais. Ça, c'est pas en plastique, les gens. Mais mets ton. Parce que je veux pas penser là. J'ai un blessé. Il y a un nid d'oiseau derrière. Il est genre là, on voit. Il est fucking bon. J'allais plus les dessus, là, c'est sûr. Pauvre petit. Mais il est correct. Non, mais il est peut-être pas blessé. C'est juste un oiseau. Ouais, puis il fait chaud, puis... Pourquoi il était venu là? Ben, il fait chaud, il y a pas de vent. C'est pas par où sortir. Allô? Finally. Il est quelle heure? Il est 2h. 1h48. C'est tôt pareil, hein? Ouais, ça s'est bien passé. En bosse. Ouais, ben, en tout cas, tu sais. La ride s'est super bien passée. Ouais, on a jamais hard, là. On a jamais vraiment, des hits. On a joué à Fuck, Marry, Kill. Ouais. Ça s'est bien passé. Vraiment, vraiment. Fait que là, c'est le moment de vérité où on va voir si les portes du char sont barrées. Parce qu'elle est stressée pour ça depuis qu'on est parti. Ouais, je pense qu'on en a pas parlé, mais bref, ça allait pas bien. Donc, je vais aller vérifier à l'instant si tu peux tenir. Vas-y. Ah! Oh! Il était pas barré, tabarnak! Ils sont pas barrés! Mais si tout va bien. Ben ouais, si t'es correct, tout est là. Je suis rempli en tabarnak. Il manque rien. Tout est là. Ben oui.
Bref. Dans un parking d'école, c'est sûr que tu manques pas rien. Je crois que c'était pas barré. Ok, bye! Bye là! Bye! Destroy. Destroy. Destroy.